Salut Denis. Salut. Tout d'abord, merci à toi de nous accueillir chez toi. Merci à vous d'être venu. Merci. On est où exactement là, dis-moi. Là, on est au centre d'entraînement Raymond Coppa. Donc, il a été baptisé comme ça depuis l'année dernière. Et c'est ici qu'il y a toutes les équipes qui, du stade de Reims qui évoluent pour s'entraîner. C'est un beau complexe, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je tiens à dire félicitations en plus. On a l'un des plus beaux centres d'entraînement de France. Ouais. Et dans le top 5, Ligue 1, Ligue 2 confondus. D'accord. Donc on a cette chance. D'accord, bah ça tombe bien en plus, la félicitation. Ouais, merci. Félicitations, champion de Ligue 2. Ouais. Capitaine en plus. Capitaine. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait plaisir, c'est une fierté personnelle avant tout. Après, c'est vrai qu'on a passé une saison collective vraiment riche humainement. Donc vraiment que du positif. Je pense que le vestiaire, ça doit être le feu au vestiaire là. Fin d'année, ça doit être... sacrée ambiance, vraiment une bande de copains. Ouais. Je vais même aller plus loin, je pense qu'on est vraiment devenu comme une famille. Parce que quand l'entraînement se termine et tout ça, on a tendance à rester très très longtemps ensemble. On se voit à l'extérieur du vestiaire. Donc je pense que c'est une année parfaite. D'accord. Dis-moi, pour toi, c'est quoi réussir ? Pour moi, réussir, c'est avant tout être épanoui. C'est être épanoui, c'est se lever tous les matins, être content d'aller faire ce pour quoi on s'est levé. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est ça réussir. D'accord, ok. Donc, tu as un parcours un peu atypique. Très atypique, oui, c'est vrai. T'es passé par la VGA, là, ouais. T'es à Reims. Dis-nous un peu, pour toi, c'est un peu ton parcours. Ben, c'est vrai que moi, étant jeune, je jouais à Saint-Maur, dans un premier temps à Lusitanos de Saint-Maur. Donc j'ai été de 4 ans jusqu'à à peu près 16 ans. D'accord. À la suite de ça, je suis parti à la VGA Saint-Maur, où j'y suis resté 6 ans. Je suis resté 6 ans. Après, je suis parti à l'UJI à Alfortville pour tenter en CFA. Mais ça ne s'était pas très bien passé. Durant les 6 mois, j'avais fait qu'une seule apparition. Ouais. Du coup, en décembre, je suis parti à l'Ararat, ici les Moulineaux, donc qui évoluait en CFA2, où je fais toute la deuxième partie de saison, une vingtaine de matchs, où ça se passe plutôt bien. À la fin de cette saison-là, il y a l'US Créteil qui m'appelle pour aller évoluer avec la CFA2. Donc je m'engage avec l'US Créteil pour la CFA2, mais au bout de 2-3 mois, Laurent Fournier, qui était coach de la Nationale, me fait intégrer le groupe pour une semaine, deux semaines, pour voir si ça se passait bien. À ce moment-là, c'était un objectif pour toi de monter avec le groupe ou pas du tout? Bah, quand je suis venu avec la CFA2 de Créteil, c'est bien parce que j'avais en tête d'intégrer la Nationale, sachant que je sais que c'est difficile pour les joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation d'aller jusqu'à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était le chemin évident pour essayer de passer une étape. Donc après, je m'installe bien comme il faut avec la Nationale, où 2 ans après, pareil, on fait un titre de champion. Donc on monte en Ligue 2. Je fais une première saison en Ligue 2. À la fin de cette saison-là, je pars au Red Star, qui évolue aussi pareil en Nationale, avec l'objectif de remonter en Ligue 2. À la fin de cette saison-là, on monte aussi en Ligue 2. Donc, arrivé en Ligue 2, c'est vrai qu'on avait pour objectif avec le Red Star de se maintenir en Ligue 2. Mais on fait une saison extraordinaire et on finit à un point de la montée pour la Ligue 1. Donc, à la suite de cette saison, je voulais aller voir ce qui se passait un petit peu en dehors de nos frontières. Ouais. Donc, j'intègre le stage UNFP en attendant... que les propositions se concrétisent, et c'est là que le Stade de Reims a fait appel à moi. Et comme pour moi c'était l'un des plus grands clubs français de par son histoire, bah je ne pouvais pas refuser le challenge. Bah, j'imagine. Avec l'objectif pareil de refaire monter le club en Ligue 2. Sur cette première saison, c'était un petit peu compliqué, on démarre très bien. Jusqu'en décembre, on est à la deuxième place. Après, la deuxième partie de saison, c'est un peu moins bien passé, parce que je pense qu'il y avait certains joueurs qui avaient les séquelles de la descente de l'année précédente de Ligue 1 à Ligue 2. Et par contre, cette année, on démarre avec des têtes nouvelles, une autre ambiance, un autre staff, beaucoup moins de personnes qui étaient affectées par cette descente de Ligue 1 à Ligue 2. Et on réalise la saison parfaite en prenant le titre de champion, en établissant pas mal de records. Donc, que du bonus. Belle saison. Belle saison. Dis-moi, Elder,
Elder. Ce nom-là, tu dis quelque chose, non? Bien sûr. Elder Simao, c'est ça? C'est ça. Donc, Elder Simao, c'était mon entraîneur quand j'étais jeune, quand j'étais à la VG à sa mort. Donc, je suis resté 6 ans avec lui. 6 ans quand même. 6 ans avec lui. Donc, j'étais en U18. Enfin, c'était moins de 18 avant. Ce moment-là, donc, j'ai joué de moins de 18, 3 ans avec lui. Après, il est monté en senior l'année où nous aussi, on monte. Donc pareil, en senior, je fais 3 autres saisons avec lui. Sur les 5 premières saisons, c'était que des montées, mais après, c'était des divisions assez basses. Et après, pareil, en senior, on monte de PH à DHR, de DHR à DSR. Et c'est une fois qu'on loupe la montée de DSR à DH que je lui ai dit que j'allais aller voir ailleurs, que c'était fini notre collaboration. mais personne très importante pour moi, parce que... Comme on le sait dans le foot, le cap le plus difficile à passer, c'est de 18 ans à senior. Senior, ouais. Et moi, j'ai eu la chance de monter en même temps que lui. Donc, il nous a fait confiance à pratiquement tous les jeunes qui étaient avec lui en 18 ans. Donc, c'était plus facile pour nous de découvrir le monde senior. D'accord. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui ou...